aussi, tu connais un bon matamé. En quoi? Un bon matamé. Oui, ah oui, bah oui, j'en suis... Ah bah c'est pour ça alors. Ah, tu feras gaffe, tu me touches la cuisse là. Désolé. C'est bizarre. Non, c'est pas grave, t'inquiète. C'est parce que ça bouge beaucoup. Y'a pas mal de quoi, vous? Bah, en raison qu'il y en a d'entendre. Donc, pour la première chose, ça va commencer à partir de ce soir. C'est-à-dire que dans 10 minutes, il sera 23h. On va vous laisser jusqu'à jeudi prochain, 23h. Le but de ce qui va se passer, c'est très simple. Vous êtes 4 participants, donc les Blues et les Valas, les Vagos et les Crips. En une semaine, les trois groupes qui nous rapporteront le plus d'argent auront le droit à une petite compensation, que ce soit des armes ou de la drogue. Je vais vous citer tout de suite dans un petit instant les récompenses. Pour le dernier groupe, il aura le droit à un blanchiment à 25%, ce que fait à peu près toutes les organisations. Donc, pour les récompenses, je pense que vous êtes là pour ça. La troisième position, d'entre vous tous, donc le groupe de vous trois qui nous rapportera le plus d'argent en troisième position remportera 400 kg de méthamphétamine et 3 Beretta. Le deuxième des groupes qui nous rapportera le plus d'argent remportera 500 kg de cocaïne, un Tecdyne et 2 pistolets lourds. Pour le premier, 600 kg d'ecstasy, un Uzi, un Scorpion et 2 MK2. Ah, vite fait. Vous savez où il est? Bah c'est bien ce qui se passe, j'ai dit... Mais on a dit qu'on en avait rien à foutre, t'as dit! Quelqu'un peut venir ou quoi, s'il vous plaît? Non. Mais attends, je vais faire la vache, vous en avez rien à foutre, moi j'en ai pas rien à foutre, ok? C'est ma soirée là! Mais. On est route sans tue, en gros on les a brain là, mais il y a deux bécanes derrière nous, il y a un guardian. Faut que vous venez. Il faudrait se donner un point de rendez-vous ou est-ce qu'on les prenne en embuscade? Est-ce qu'on tire ou pas? Oui. Et par contre, Daniel, tu veux qu'il me réponde? Ouais, je peux, quoi, je t'ai pas entendu. Venu. Il arrive derrière les cas, la billette est où? C'est bon, on a un rappel, on était 4. C'est bon. Notre véhicule, il est bon. On a un gars à terre? Il y a un gars à terre. D'accord, ouais, on bouge, bouge. J'ai crevé leur pneu, je vais baiser les gars, on les baisse. Je me fais niquer les gars. Wouah. Bon. Moi aussi j'ai compris. Faites gaffe, vous faites pas. Derrière. Oh là là. Je ne peux pas continuer, on est mort. Voilà. Arrête, tu vas pleuvoir. T'as vu, je chante toujours aussi bien. Ouais, je vois ça, ouais. Arrête, tu vas pleuvoir. Mais non, je rigole, je chante bien, moi. Je fais genre. Un dimanche matin, avec ma putain, sur ma mobilette, j'ai mis mes mains entre ses deux seins, direction quiquette. Elle y verra plus les poils de mon cul. C'est trop bien. J'en ai fait des brosses. À 10 dollars le boulot. Ça fait du bon boulot pour nourrir les gosses. Je vais voir en moto, le reste en camion, on va voir comment ils sont. Fais gaffe, bonjour à tous. Allez. On a tout le retardateur dans le camion, il compte pas descendre. De quoi? Ok, on va attendre vos prospects à gauche, ils vont arriver ou pas? Oui, ils resteront là-bas. Ok, parfait. Bon, sans surprise, j'imagine que j'ai le secteur sud et le secteur nord en face de moi. Évidemment. Parfait. Le secteur sud, t'as passé le message? Ouais.
D'accord. Ça tombe bien que tu l'aies ramené, comme ça on va pouvoir être tous d'accord avant que ça reparte sur de bonnes guerres. Explique-moi Scorpio ta façon de voir les choses, s'il te plaît. Ma façon de voir les choses comment ? Dans ouais. Quel sens ? La valeur de cette guerre, à tes yeux, la base, et comment tu comptes qu'elle se termine pour toi ? C'est simple. Il y a plusieurs propositions que je vais te faire. D'abord, je commence par en visant des choses. Moi, comme je t'ai dit, je vais récupérer Sandy Shore. On était là, installés, avant que vous arriviez. On vous a laissé une place. Il y a eu plusieurs fois des petits soucis sur Sandy qu'on a dû gérer à votre place. Donc, maintenant, j'ai des membres qui arrivent, j'ai besoin de place. Donc là, maintenant, j'en prends mon territoire. On vous a fait une proposition de base, c'était de vous joindre à nous, que vous avez refusé. Donc, j'ai fait la manière polie en premier, tu me connais. Maintenant, je fais la manière forte. Mais on va pas l'air joint, ils sont moi, trop... Moi, ce qui me plaît mieux, c'est la manière forte, parce que je te dis concrètement, je ne passerai pas sous ton cœur, comme je t'ai déjà dit. Et Sandy Shore, t'auras beau dire ce que tu veux, t'auras beau dire qu'on le protège pas ou quoi que ce soit, en attendant, c'est pas nous qui ouvrons le feu dessus. D'accord. Ah bon ? Ouais, on l'a fait une fois, on l'a deux fait fois. Deux fois. Contre qui ? Bah, contre nous, là. Deux fois 24 heures, vous nous avez ouvert le feu dessus. C'était pas Sandy Shore ? C'était plus loin Grepsid, ok. Paléto reste... et Grepsid. Ouais. Paléto ? Ah ouais, Paléto juste. Ouais, ok. Voilà. Quoi qu'il en soit, moi, Scorpion, écoute, si pour toi tu penses que passer par les armes, par une guerre pour récupérer ton territoire ou pour que moi je récupère le mien, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème, on va y aller là-dessus. Comme j'expliquais à ton chapter sud, par contre, cette guerre, c'est une guerre de territoire. Vous n'allez pas être deux chapters sur cette guerre. Parce que sinon, moi aussi, je ramène les chapters qui sont en dehors de Sandres et ça ne va jamais se finir. Bah vas-y. Non, là on est dans le nord, on gère avec le nord. Si t'as besoin d'être avec ton chapter sud pour te sentir aisé, c'est que t'as peur de quelque chose derrière. Le problème c'est que t'as attaqué le chapter sud. Et ça t'a mal joué là-dessus. Après, si je peux me permettre, je crois qu'avant même que j'attaque le chapter sud était là quoi. Donc ouais. N'essaie pas de justifier leur présence. Non, d'accord, mais du coup, vu que tu les as attaqués, maintenant bah ça devient ton problème. Et il y a un autre problème que je vais soulever aussi c'est que tu cherches quelqu'un en particulier. Et cette personne en particulier appartient au chapter sud. Ouais, donc... mais justement, cette personne que je cherchais, j'ai plus à la chercher parce que j'ai besoin d'une information que j'ai eue sans la récupérer. Ok. Pour ce qui est des attaques du chapter sud, comme je l'ai dit à ton président du chapter sud, il a marqué un de ses gars, il en a marqué deux des nôtres, je considère qu'on équipe. Je peux en avoir un otage direct. Ouais, on va dire ça, mais je suis pas vraiment d'accord. Bah t'es pas d'accord, pourtant on s'est mis d'accord avec lui. Attends deux secondes, arrête de parler. On n'est pas sur les mêmes tables, d'accord. Bon, y a même deux de mes gars qui sont vachement sales. Merci pour le follow, Ryan. Il était en train de boiter, il avait du mal à marcher. Dans ce gendarme. C'est ça. Moi, ouais, je l'ai croisé. Derrière, on aurait pu capturer des Lost, on en a vu pas mal dans le sud. Le problème, c'est que pourquoi la capturer des... Déjà, sache que ce qui s'est passé avec l'enforceur du chapter sud, c'était pas censé se passer. D'accord. Si ta fille... Elle se serait ramenée, déjà il lui serait rien arrivé, physiquement parlant, et il serait encore moins rien arrivé à ton enforceur. Malheureusement, elle a voulu jouer, elle a voulu mettre les familles en jeu, et ça a dû se finir comme ça parce qu'elle nous a pas laissé le choix. Ouais. La formation qu'on voulait récupérer. C'est incroyable ce retournement de situation quand même. C'est-à-dire. Parce que ce jour-là, Scorpion, il était là. D'accord. Et il était au courant de tout. Donc vous savez très bien, vous savez aussi bien que moi. Qu'on vous a envoyé plusieurs positions, ou même les Famélis pour vous livrer Jade, vous n'êtes pas venu. Mais vous me prenez vraiment pour un but, en fait, vous. Et si on y était ? Donc voilà, vous venez on y pas. Était, vous verrez dans la prochaine vidéo YouTube. C'est pas rendu. Mais ne me prends pas pour un con, s'il te plaît. Bah, tu crois que je suis assez con pour tomber... Je me mets à votre hauteur au bout d'un moment. Et je vais pas me mettre les deux pieds dans une embuscade. Je me mets à votre hauteur au bout d'un moment. D'accord, si tu veux tacler, tacle, mais fais-le intelligemment. Je suis pas assez con pour tomber dans une embuscade. On est d'accord. Vous verrez, ça va être la prochaine vidéo YouTube. Scorpion, moi, cette guerre, je l'accepte. Vous allez être choqué de ce qui s'est passé. Déjà ton chapter sud, je ne veux pas qu'il y ait la mention de trêve inscrite dessus. Par contre, c'est chapter nord contre chapter nord. Si toi, t'as besoin du chapter sud pour te sentir aisé ou pour suivre des motards à 30, c'est ton problème. Disons que j'ai de l'effectif pour que je les laisserai à la maison. Eh bien, parce qu'ils doivent s'occuper de leur côté. Mais on s'occupe plusieurs aussi de notre côté. C'est ça le problème, c'est que je prends pas tout le monde. Tu vois ? D'accord. Donc à un moment donné, pas tout le monde. Moi les gars, je vais pas laisser sur le carreau alors que les autres sont en train de se battre. C'est pas normal, c'est 20, pas ça non plus. C'est 20 maxi, si, quoi, c'est 20 maxi chapters différents aussi. Moi mes chapters qui sont à côté de la frontière, je les appelle pas parce qu'on est sur Sandras ici. On a un seul et unique chapter.
Non, c'est pas parce qu'on est divisé qu'on n'est pas les Lost, en fait. Ça, vous avez pas compris. Si vous avez deux clubs, c'est que vous avez deux chapters. Un chapter, tu peux avoir un chapter dans un même club. D'accord ? Oui, d'accord, mais actuellement, il y a le Nord et le Sud. Vous n'arrivez toujours pas à faire la distinction. Et pourquoi tu veux pas que les Sud s'en mêlent, en fait ? Parce que c'est pas une guerre de... Parce qu'il a peur de perdre, il a déjà perdu, il sait que tu as cassé deux fois les dents, qu'est-ce que tu veux ? Après, si je peux me permettre, t'as peut-être peur toi de ton côté, du coup tu ramènes les deux. Et ça part en non, pas et du tout. Dans le Nord, on bah, est plus nombreux que vous, alors taisez-vous. Hein. Bah, alors justement, pourquoi vous avez besoin du chapter Sud en plus ? Bah, pour être plus nombreux, tout simplement, je pose des questions aussi. Ah, là, pour mettre toutes les choses de vos côtés. Bah voilà, exactement. D'accord, donc c'est bien que vous avez peur de quelque chose. Tu mets pas les tiennes de ton côté en chopant des gars à 4h du mat ? Personnellement, c'est juste l'information qu'on récupère. Ah. Bah c'est bizarre, mais le truc c'est que tu vois, fait culot, là, Scorpio. On sait le faire aussi, ouais, mais vous avez commencé en premier je pense. Ouais d'accord, faut... Vous avez chopé un gars à 16h, bon voilà, on a répliqué, vous avez perdu. Vous avez chopé un gars à 3h, on a répliqué à 14h45. En fait, vous pouvez attaquer à n'importe quelle heure, mais on répliquera toujours plus fort, ça vous l'a toujours pas saisi. Si je peux me permettre, hein, si on attaque ces heures là, c'est le seul moment où il n'y a pas les deux chopeurs ensemble. Bah non, pas du tout. Si, si. Tu peux venir à 20h, 21h, 22h, 23h, on n'est jamais ensemble. Vous êtes ensemble, H24. Mais bah, c'est non, on est ensemble. Si vous le dites, ouais, c'est nous. Si quelque vous êtes au courant mieux que nous, dans nos horaires, d'accord, bah très bien. On les voit, ils sont vrais, on les voit. La guerre. Toi, visiblement, t'as pas l'air prêt à te détacher de ton chapter sud. Non, pas du tout. Tu vois, c'est loin de la rue, mon pote. Il est marqué 1% sur ton cuir, il est pas marqué le monde des bisounours. D'accord, ok, parfait. Bon bah écoute, cette réunion va se clore sur ce joli débat qui n'a pas lieu d'être. Et écoutez, bah, on va vous souhaiter une bonne soirée, comme tu dis si bien, Godless. Donc tu veux déjà retourner ? C'est-à-dire ? Tu veux déjà repartir ? Tu veux pas entendre ce que j'ai à te proposer ? Ah bah, tu veux vraiment faire la guerre ? Mais tu vas te casser les dents, je te le dis. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Moi je suis prêt à temporiser. Donc, maintenant vous délogez, ça va être compliqué. Ouais, bien d'accord, je suis bien conscient de ça. Même si ça me ferait plaisir. Il y a trois propositions que je te propose. Soit tu te barres de Sandy, et je te fous la paix. On te fout la paix, je précise. Ou bien tu restes sur Sandy, mais il va falloir payer. Il va falloir payer ? Et la troisième, ouais. C'est quoi ? La troisième ? Bah c'est que vous êtes même plus à Los Santos, je pense qu'on vous enterre. D'accord, ok. On n'est pas le club, hein. Tu feras gaffe. Ok, ok. Ça marche, d'accord. Donc soit on paye pour rester à 110 jours, soit on se casse. Exactement. Il pour rester chez nous. Ah, mais Frédéric, j'ai pas compris ce que t'as dit. Ah, mais moi, tu vois, ça me fait pas marrer, je te le dis sérieusement. Ok, non, mais moi, ça me fait rire parce que vraiment, faut vraiment être borné pour proposer ce genre de ouais, carrément, je suis carrément borné. Tu vois, j'ai des objectifs et je vais les atteindre. Ok, d'accord. Et bah, je refuse les trois options, je les refuse les trois. On va continuer sur quand on a commencé. Et par contre, vraiment, tu as vraiment proposé à ce qu'on paye pour qu'on reste sur ce niveau. Ouais, carrément. D'accord, soit territoire, c'est soit tu on paye, c'est soit on meurt, soit on est dégagé. D'accord, ok. Bon bah ok, pas. Okay. Bah c'est bon. Vivez pas de sortie là. De potions en réserve. Ouais. Ok, nickel. Bah nous on va s'en aller, on va vous souhaiter une bonne soirée et God bless à vous les Lost. D'accord, si ça te fait marrer. Allez, à plus tard. N'oublie pas de changer ton domicile pour l'hôpital de la BCMD, parce que c'est ce qui va t'arriver. Ouais, t'es chou. Allez, bless. Bisous. Faire de même. T'as bien vraiment de dire bisous là. Ouais. On va payer un loyer, c'est le bouffon. Le mec en haut là sur la montagne. Mais cassez-vous. Regardez, à bientôt. À bientôt. Chien de la casse.